Bonjour et bon samedi sur Génération Télévision. Voici tout de suite l'essentiel des inédits, des nouveautés, des directs de la semaine à venir. Tout ça dans le Top TV, c'est parti! Pour commencer la 30e semaine de l'année, je parle de sport puisqu'il y a la Coupe du Monde de football féminine à suivre en direct et à pas d'heure sur France TV Sport, M6 et W9. On revient ce samedi avec sur TF1 le grand concours en prime. Sur France TV Sport, c'est le Tour de France avant-dernière étape pour les hommes en direct à 13h25. Sur France 2 en prime, c'est Fort Boyard inédit. Et bien évidemment, en seconde partie soirée, toujours plus fort. Côté M6, c'est le 22e et dernier épisode de la saison 20 de NCIS. Et sur Gulli, c'est à la Wave Out Made in USA. Ainsi, dimanche sur TF1, ce 23 juillet, un tour chez ma fille, inédit en clair. Ensuite, il y aura du sport, bien sûr, avec le cyclisme, le Tour de France Femmes qui débute et le Tour de France Hommes qui se termine. Sur France 3, Hudson et Rex, c'est la 4e saison inédite avec les 4 premiers épisodes. Sur France 5, les 100 rues qu'il faut voir en Charente. Et après, une maison, une légende avec Charles Darwin. Sur M6, Capital consacré à la Bretagne. Et sur France 4, et ce toute la semaine, c'est les championnats du monde de natation en direct. Ce lundi, on continue la 14e saison de Camping Paradis sur TF1. Sur France TV Sport, France 2, Clermont-Ferrand-Mauriac, c'est le Tour de France Femmes. Sur France 3, 20h40, c'est la nouvelle émission, la fameuse Aux Jeux Citoyens. Et après, en seconde partie de soirée, un documentaire sur le capital au 21e siècle. Nuit que j'étais sur France 5 à 21h dans le Lot. Sur M6, Maison à vendre inédit. Et sur Chérie 25, Meurtre à Nordholm. The Voice Kids ce mardi sur TF1 en prime, sur France TV Sport, deux monuments, Collonges-la-Rouge jusqu'à Lascaux dans le Tour de France Femmes. En prime sur France 2, c'est le concert événement consacré à Paris 2024, c'est dans un an. Les routes de la possible sur France 5 à Sumatra. Sur M6, zone interdite consacrée aux vélos, roulottes et péniches. Sur W9, c'est FBI inédit en clair. Et sur Gulli, Jurassic World. Ce mercredi, avec le cyclisme entre Cahors et Rodez, c'est le Tour de France Femmes. Sur France 2 en prime, c'est les rescapés de l'Ariana qui continuent. Sur France 3, la carte au trésor dans les Bouches-du-Rhône, suivi d'un documentaire inédit à 23h25. Sur M6, les traîtres continuent à 21h10 pour une deuxième saison, suivi de « Et si on se disait tout ?» 23h20. Arte proposera d'abord un film inédit en clair à 20h55, Maria's Lover, et puis Premier de Corvée à 22h40, c'est un doc. Poursuivons, petit jeudi avec Le Cycliste Toujours jusqu'à Albi sur France 2. Sur France 3 en prime, L'Amie Prodigieuse, série inédite en clair saison 3. Sur M6, Cauchemar en cuisine, que sont-ils devenus? Sur W9, c'est Issan Doumbia avec les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier en vacances. Et sur Culture Box, un doc sur les Outre-mer. Ce vendredi enfin, Ninja Warrior sur TF1 qui continue. Sur France 2, France TV Sport, Albi Blagnac, c'est le tour féminin. Sur France 2, en seconde partie de soirée, Drag Race France qui continue. Sur France 5, vous retrouverez Carmen au Corégie d'Orange, c'est un opéra inédit. Sur Arte, La Voix d'Aïda, 20h55, c'est un film. Et puis sur C8, J'apporte le dessert de retour. Voilà pour le Top TV de cette semaine, merci d'avoir regardé, à demain pour le TV 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.